j'ai vu effectivement ce documentaire. Bon, je dois vous avouer que pour moi, c'est une sorte de recyclage de vieilles thèses qu'on connaît déjà depuis longtemps. Le président Kagame serait responsable de l'attentat contre l'avion, donc serait responsable du génocide. Enfin, autant de thèses, si vous voulez, que l'on connaît depuis des années. Donc, je serais tenté de dire véritablement rien de nouveau, si ce n'est que cette fois-ci, c'est la BBC qui le propose. Mais réellement, je crois qu'il n'y avait pas de quoi trop, je dirais presque, s'alarmer, parce qu'on connaît, nous, toutes ces vieilles thèses qui nourrissent, je dirais un petit peu même, toutes les idées négationnistes en Europe et en France en particulier, d'autant que la France est très épargnée, enfin les responsables français de l'époque sont très épargnés dans ce documentaire.